Bonjour à tous, bienvenue Business Planet, cette semaine ici à l'Observatoire Royal de Belgique. Alors on va voir l'un des défis que doivent relever les entrepreneurs, profiter des formidables opportunités liées à Galileo. Et cela avec vous Catherine, cela fait 20 ans que vous travaillez sur ce projet. Galileo, rappelez-nous en quelques mots ce que c'est. Galileo est le système de navigation le plus moderne d'Europe, avec des atouts uniques qu'aucun autre système n'offre. Opérationnel depuis 2016, il est conçu pour offrir gratuitement des services commerciaux sur des marchés de masse, gouvernementaux et de recherche et sauvetage. Et d'où ces opportunités de business? On va voir un exemple ici en Belgique, regardez. Ce drone professionnel dernière génération est capable d'effectuer des mesures précises au centimètre près. Il est équipé de récepteurs qui utilisent les signaux de Galileo, boîtier conçu et fabriqué par cette PME belge, fondée en 2000 et qui a aussi directement participé au développement de Galileo. Ces récepteurs sont utilisés dans un nombre impressionnant d'applications. Des drones donc, mais aussi dans des systèmes d'alerte aux tremblements de terre, dans la construction et le secteur des mines. Quand je dis que Galileo est le meilleur système au monde, je parle du système le plus précis, mais aussi du système le plus sécurisé. Quand je localise une voiture sans chauffeur, j'ai besoin d'être absolument certain que c'est la bonne position. Des données gratuites combinables avec celles des autres systèmes de navigation, un marché en pleine mutation, cette PME profite de cette belle dynamique. Notre chiffre d'affaires évolue d'environ 30-40% par an. Nous embauchons beaucoup de gens. Nous venons d'ouvrir un bureau au Japon, un bureau en Chine. Ce secteur dans lequel nous évoluons est vraiment très dynamique. Alors on vous retrouve ici, Catherine, deux chiffres pour bien comprendre les opportunités liées à Galileo. Le marché global, plus de 120 milliards aujourd'hui, il devrait doubler dans les 5 prochaines années. Et puis le nombre d'appareils utilisés dans le monde, 6 milliards aujourd'hui, 8 d'ici 2020. Vous imaginez, plus d'appareils que de population. Alors Catherine, je suis un entrepreneur. Comment concrètement vous pouvez m'aider, m'accompagner pour conquérir tous ces nouveaux marchés ? L'objectif de la Commission européenne est clair, soutenir activement les PME et les start-up avec un certain nombre de mesures, d'initiatives, de programmes, grâce notamment à des instruments financiers. Merci beaucoup Catherine. Plus d'infos sur la page web de Business Planet et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.